veux-tu être notre ami? Bonjour, salut, petit train, tu m'aides pour ma tournée? Nous avons des assistants aujourd'hui. Attache-toi. Nous allons distribuer le courrier en livraison express. Veux-tu venir avec nous? Avec nous. Veux-tu venir avec nous? Notre première destination. On est chez Miss Mistigri et chez Où? En plein dans le mille. Nous avons une lettre pour Miss Mistigri et une pour Où. Tu veux bien les mettre dans leur boîte? Pour qui est la lettre avec le chausson de danseuse, selon vous? Je sais! Miss Mistigri! Et la lettre avec une image de livre dessus est pour... Où? Beau travail, Dani. Bien, vers le prochain arrêt. Livraison express. Nous allons distribuer le courrier en livraison express. Veux-tu venir avec nous? Avec nous. Veux-tu venir avec nous? Bonjour, maison. Nous sommes chez moi, rue de la plage. Absolument. Pour distribuer ta lettre. Grrr. Eh ben... J'ai tellement hâte que mon papa reçoive sa lettre. Merci, monsieur Bonne Nouvelle. Mais ce fut un plaisir, mon grand. Bien, veuillez m'excuser. Je dois filer au château pour une nouvelle livraison. Livraison express. Au revoir, monsieur Bonne Nouvelle. Au revoir, monsieur Bonne Nouvelle. Papa va être tellement content de recevoir la lettre que je lui ai écrite. Faire une chose pour quelqu'un, c'est un moyen de dire je t'aime. Je ne viens pas d'entendre la voix de monsieur Bonne Nouvelle. Si, c'était bien lui. Tu voulais pas regarder dans la boîte à lettres si on avait reçu du nouveau courrier ou quoi que ce soit, on sait jamais. D'accord. Oh, bah ça alors, regarde ça, il y a une lettre pour moi. Mais c'est mon jour de chance. Oui. Je me demande de qui c'est. Alors voyons ça. C'est magnifique. Cher papa, ce cœur est pour toi. Je t'aime, Dani. Mais alors, c'est toi qui m'as écrit cette lettre? C'est moi. Ça te fait plaisir? Oh, Dani, ce dessin que tu m'as fait me fait tellement plaisir. Je l'ai dessiné pour toi parce que je t'aime. Faire une chose pour quelqu'un, c'est un moyen de dire je t'aime. Je t'aime aussi, mon cœur.